On va se battre, je sens que la sonorisation là, c'est une guerre. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Samuel, 2 Samuel. Chapitre 7, verset 16. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Seigneur Jésus, nous t'invitons sur la scène, Père, pour que tu nous parles. Tu nous voyais chacun à la place où il se retrouve. Et tu avais arrêté dans ta pensée de faire quelque chose pour tout un chacun. Maintenant, soumets tout esprit à toi. Déploie ta présence, ta divinité, et exprime-toi librement. Que nous puissions reconnaître la voix de notre Père, les manières de notre Père. Guéris les malades, console les affligés, ramène les rétrogrades, appelle ceux qui ne te connaissent pas. Nous nous soumettons à toi pour la gloire de Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous sommes en train d'étudier la loi de la continuité. C'est une loi divine, une loi par laquelle Dieu gouverne cet univers. Ni sheria ya Mungu, ni sheria ambayo Mungu anaongoza nayo hii ulimwengu. Fabanam nous dit que il y a la continuité de l'action de Dieu, la continuité de sa parole. Tout est en continuité. Ndugu Branham anatuambia kusema huku maendeleo mutendo ya Mungu kukuendeleo ndani ya neno ya Mungu na yote iko maendeleo. Si vous observez la nature, vous observez l'univers, vous allez découvrir cela. Na sika munangalia asili, munangalia ulimwengu, moyo mutaona ile. L'un des textes que le Saint-Esprit a révélé à notre prophète comme base scripturaire de cette loi, c'est Ecclésiaste chapitre 3. Il y a Hébreux 13, 8 et il y a aussi Ecclésiaste 3. Maintenant, dans Ecclésiaste, nous relisons un peu versets 14 et 15. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Nilitambua ya kama yote Mungu yuko nafanya yayo itaendelea bila mwisho. J'aimerais que nous répétions cela. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Amen. Qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher.
Akuna kintu kia kongoza na kintu kia kondoshwa. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on les craigne. Na Mungu yeko na tenda hivi juu bapate kumongopa. Afin qu'on les craigne. Juu bapate kumongopa. Tout ce que toute autre personne peut faire, n'importe qui peut faire, ne peut pas répondre à cette loi. Dieu seul, ce que lui fait, la Bible dit le monde d'alors périt. Et Frère Branham nous a expliqué comment le déluge était-il venu. C'est ça le déluge? Oui. C'était le basculement de l'axe de la terre. L'axe de la terre s'est incliné, a penché d'un côté au lieu de rester horizontal tel qu'il était ou droit tel qu'il était. Il a penché juste un tout petit peu à cause de tous les poids des gros ouvrages que l'homme avait réalisé en ce temps-là. Et cela a fait que la température a changé. Il y a eu du chaud et du froid. C'est ça le déluge. Ile inasema miaka bulongo ile ilikunja mafachu mwa kufuatana bintu bantu balifanya njoo nilifanya kusema kuna kwa sasa baridi la moto njoo ile ilifikisha asema mvule inyeshe et tout avait péri na biote bilikufaka. Maintenant Frère Branham dans un message un paradoxe du 18 avril 64 point 36 ceci anasema hivi: nous avons prouvé qu'à une certaine époque, la terre était toute droite. Tuliakikisha kusema mwakati fulani hivi dunia ilikuwa ya kueneana tu ya kunyoloka. En effet, Dieu a dit qu'elle l'était. Kusema Mungu alisema ndio vile ilikuwa. Maintenant, sasa là dans les champs de glace britannique. Kule kuile fasha mayakasa ku britannique. Dans les champs des glaces britanniques, on peut creuser aujourd'hui à l'aide des explosifs à 150 mètres de profondeur. On va trouver des palmiers dans les classes. On va y trouver des fougères. Ce sont des plantes. Non, des petites plantes qui sont comme des vaisseaux. Ok, tous les tomamichi sont en bas là. Dans les glaces là, mumayakasa mule, cela montre que autrefois c'était une région tropicale. Il est une honnête à ce moment wakati ngine il croit une fois chez moi qui beaucoup de bâtiments de cala. Donc ce qui avait donné l'image de la destruction, c'est simplement que ces choses ont disparu de la vie. Mais rien n'avait été anéanti. Il est l'état tout pitié à pousser ma bintou à bina qu'on vit le bien au biripoté. La qui nous m'a dit qu'on a qu'il y a qu'il y a deux choix. Ça, ce sont les mathématiques célestes. Amen, amen. Branham dit, Branham, nous pouvons détruire, mais nous ne pouvons
anéantir. Parce que d'où venaient ces plantes-là? D'où il est mis tiré le roi natoka wapi? De la création. Umbaji ya Mungu. C'est Dieu qui les a créés. Ni Mungu ndio aliumba. Mai. Brahma me dit. Brahma nasem. Oh rien. Atuna kitu. Même si c'est la chose qui semble la plus proche de l'anéantissement, ataka makintu kinonekana sema kinakuwa karibu sana na kuondoshwa, nous n'avons rien. Atuna na kitu. Pour le détruire. Juu ya kuyaribu. Pour l'anéantir. Juu ya kuyondoshwa. On peut tripoter. Tunaweza kufanya yote. On peut falsifier. Tunaweza kufanya fanya bitu. Mais parce que c'est quelque chose que Dieu a fait. Tuna kitu kina Mungu alifanya. Rien ne l'anéantira. Hakuna kitu kinaweza kuyondoshwa. Laisse-moi crier fort. Par ceci, je comprends que quelle que soit la méchanceté du diable, il ne pouvait pas réussir à anéantir Adam. Quelle que soit la force qu'il pouvait utiliser, il n'avait rien à lui. Il n'avait aucune possibilité d'anéantir une vassaux dans la nature. Il a dit, rien ne se perd. Rien ne se crée. Mais tout se transforme. My. Dans ce même message, Frère Benham dit. Oui, ou mais moi, je vraiment la sème. Non, c'est paradoxe que je lis là. Certaines personnes se sentent si coupables. Bantu bengi ne peut qu'on a qu'elles veulent que l'on prenne leur corps et qu'on les incinère. Alors, c'est ma babé, mais il y a. Allègrement. Se sentant tellement coupable, dit qu'on incinère mon corps pour qu'on n'en ait plus de souvenirs et qu'on jette les cendres aux sept vents de la mer. Na batupe mayivu mubari saba mubari. Madame dit. Rama nasema. Mais cela ne change rien. Lakini ila ibadilishe kitu. Cela n'est pas anéanti. Ila ina kuondoshwa. Vous ne pouvez rien anéantir. C'est Dieu qui a créé le potentiel. By God, c'est fabriqué par Dieu. Et c'est même la raison pour laquelle il n'y a aucun scientifique qui réussit à reproduire l'homme tel que Dieu l'a fait. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun médecin qui peut fabriquer un bras. Vous avez des prothèses. C'est le plus loin qu'il peut aller. C'est le plus loin qu'il peut aller. C'est ça leur limite. Mais jamais ils peuvent créer un corps. Et parce que ce corps est l'objet de la création de Dieu. Rien.
rien ne peut l'anéantir. Je répète ce matin, mon corps et ton corps ne seront jamais anéantis. Même si on les brûle, même si on les assassine, rien ne les anéantira. Parce que c'est Dieu qui a fait. Tout ce que Dieu fait durera toujours. Il t'endela na kudumu. C'est qui crée. Ni yeye naumba. Que lui pour anéantir. Ni pata yeye ndio anachokiondosha. L'intelligence là est seulement en lui. Il est akili ile iko paka ndani mwake. Que lui pour anéantir. Ni pata yeye ndio anachokiondosha. Que lui pour anéantir. Ni pas cahier de l'échondoche. Si vous êtes un peu assis dans les Écritures, je vous demande d'aller réfléchir sur ce qu'était devenue la statue de Nebuchadnezzar. Amen. Dans sa propre vision, il avait une pierre qui s'est détachée d'une montagne sans laisser cours d'aucune main. Et nous connaissons que cette pierre-là, c'est Christ. Et quand elle a frappé cette statue, où il y avait une succession de pouvoirs du monde, la Bible dit, aucune trace. Wakati alipiga ile sanamu ile kulikuwa mafalme ya kufuatana, Biblia inasema hakubakia kitu hata kimoja. Pas de trace. Mais c'est la pierre qui s'est posée, qui a grandi et qui a rempli tout l'espace. Oui, laisse-moi te dire, Satan peut faire quelque chose. Il peut faire surgir un cancer. Il peut faire surgir dans ton corps. Dieu a la capacité d'anéantir cela. Et il n'y aura plus jamais de traces. Et je prie ce matin que le Dieu de Branham, par son ange, circule dans cette église et qu'il prenne toutes les masses engendrées par le diable, parce que le diable n'est pas créateur, et qu'il n'y ait plus de trace au nom de Jésus Christ. Amen, amen. Pas de trace là où tu es même, l'ange de ton père, là où tu es même, l'ange de tous, l'ange qui est dans ce message, il pose une main surnaturelle, il n'y ait plus de trace ni du cancer, ni de la tumeur, ni de cette maladie là. Sans trace. Alors je voudrais parler de la puissance de Dieu qu'il avait posé en Élisée. Que Dieu aide mon frère. On est dans une plus grande bataille jamais livrée entre l'Antichrist et Christ. Vous êtes venus ici pour que Dieu parle avec vous et traite avec vous. Et il le fait par le canal de sa parole. C'est maintenant Dieu qui est en train de s'exprimer. Amen. Et je lui reconsacre ce pupitre. Je lui reconsacre. Je reconsacre tout cet auditoire. Nous ne sommes pas venus pour voir les œuvres du diable, mais nous sommes venus pour voir les œuvres de Christ. Et je sais qu'il a la prééminence.
Il est ici pour cela. Et quoi, Padu, il est. Nous savons qu'au moment de la séparation Élie d'avec Élisée. Tu n'as joué à ce moment il y a quoi tiens quoi Élie chez Élie. Pour être conducteur, mais même pour être un décideur, Dieu fait de nous des partenaires. Qu'en fais-tu? Élisée, le type de l'église, il a bien calculé Élie. Il a bien regardé Élie. Je n'envie pas le bien que tu as eu. Mais j'envie ce qui produisait. Il est quoi la lettre? Il est quoi la fagne? J'ai besoin de recevoir la double portion de quoi? De l'esprit. Niko na lazima ya kupokea sehemu mbili ya roho. Kiasi toi. Ile yenye kwa juu yako. J'ai besoin de recevoir. Niko na hitaji ya kupokea. La double portion. Sehemu mbili. Je ne sais pas si ton corps est de cette taille. Sijui kama mwili wako uko mwili mkubwa. L'esprit envahit tout ton corps. Moi j'aimerais exploser. Amen. De 1 à 2. De 2 à 4, de 3 à 6, de 5 à 10, je veux la double portion de quoi? De l'esprit. Mina penda sehemu mbili ya nini ya roho yako. Je ne sais pas si j'ai une église ce matin. Il y a tel type de Christ, n'est-ce pas? C'est ce que Branham nous enseigne. Élisée, c'est le type de l'église. Élisée, c'est le fond de l'église. Pour qu'on se sépare. Et que je reste marché. Moi qui suis l'église. J'ai besoin de recevoir la double portion de ton. C'est mon bille à Royaco. Alors je commencerai ma marche. Il n'y a pas une église de Jésus-Christ. Akuna kanisa Yesu Kristo sans l'esprit de Christ. Bila roho ya Kristo. Est-ce que vous êtes bien assis ce matin? Unekala mzuri asubuhi. L'église moins l'esprit de Christ, c'est un cadavre. Kanisa ya roho ya Kristo ni maiti. Ni mufu. L'homme selon le modèle de Dieu. Depuis Genèse, c'est une association de l'Esprit de Dieu avec cette masse. Je veux faire cette déclaration. Un homme sans l'Esprit de Dieu, il est perdu. C'est celui-là qui est perdu. Montu bila roho ya Mungu yanapotea, ndio ule mwenye kupotea. Donne-moi la double portion. Unipese mumbiri. Élie lui dit. Élie la mumbia. Tu demandes une chose difficile. Unalomba kitu kya nguvu. Mais si tu me regardes pendant que je serai en train de partir. Lakini unia wakati kama unanyangalia wakati utakao niko naenda. Si tu me regardes. Kama unanyangalia. Si tu as ta pensée fixée sur moi, kama bwana mawazo yako yenye kwaka juu yangu, pendant que je serai en train de partir, wakati nimetaka niko naenda, on ne reçoit pas cette chose là dans la distraction. Unapokea kile kitu mkulenga. On doit avoir toute la pensée fixée sur Christ. Unapaswa kuwa na akili yote yenye kwaka yule ya Kristo. Il faut un ravissement de l'âme. Inapaswa kubebewa kwa nafsi. Ce n'est pas une formalité. Aïe. Ce n'est pas un rite. Et cela était arrivé. Quand Élie est en train de monter, Élisée a crié: mon père,
Char d'Israël, sa cavalerie. Mon père. Baba yangu. Char d'Israël, sa cavalerie. Et il a pris son vêtement, il l'a déchiré. Banam dit, il a pris ses pensées, il les a déchirées. Alors, il a lâché le manteau. Il a lâché sa propre pensée. Il a lâché son propre vêtement. C'est ainsi que quand Christ montait au ciel, il disait à ses disciples, attendez, je lâcherai quelque chose qui viendra du ciel, mais quelque chose qui vient de moi. Parce que il n'y a pas une Ève constituée de matériaux différents d'Adam. Il n'y a pas une Ève constituée de matériaux différents que les matériaux qui ont constitué Adam. Il n'y a pas une Rebecca d'une autre famille que la famille des sangs d'Isaac. Alors il a lâché l'esprit, il a lâché le manteau. Et depuis cet instant là, la même puissance qui était sur Élie avec double portion est revenu sur Élisée. C'est ça le début de la marche de l'église. Il a frappé le Jourdain. Où est le Dieu de lui? Et le Jourdain, c'est de la place comme il a traversé. Il y a eu des jeunes gens sans révélation, sans discernement, qui se sont moqués de lui à cause de sa calvitie. Il s'est énervé. 42 ours sont sortis. 42 enfants ont été tués. Le Dieu de la justice. Attention au oin de Dieu. Quand un homme a l'esprit de Christ sur lui, faites attention. Même si c'est une femme, il faut faire attention. Mais maintenant, il y a une chose qui m'intéresse, qui m'intéresse, qui m'attire. C'est de cela que je parle. À un moment donné, Elisha, avec la double portion de l'esprit qui était sur Élie, il a donné à la Tsunamite un enfant. J'espère qu'il me saisisse. Amen. C'est lui qui a créé cela. Amen. Cette femme, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? On voit qu'elle n'a pas d'enfant. Je te dis, à cette même époque, tu auras un enfant. C'était des paroles prononcées par un homme. Et l'enfant est venu. Et quelques temps après, l'enfant est mort. Et quand l'enfant meurt, Élisée envoie Géasi avec les bâtons. La foi de la femme dit, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je ne te quitte pas toi. Élisée comprend que la femme veut Élisée. Élisée est allé dans la maison de cette femme. Dans la chambre qui était préparée pour lui. Et il a mis la femme dehors. Il a mis
tout le monde dehors. Kéasi dehors. Le papa de l'enfant dehors. Élisée est resté seul. Cet enfant était couché sur son lit. Le lit qui était pourri. Il est qui dormait. Alors la Bible dit, Élisée est monté sur l'enfant. Un contact physique, corps à corps. Les lèvres d'Élisée sur les lèvres de l'enfant. Milomo ya Elisha eu pas milomo ya mutoto. Les mains d'Élisée sur les mains de l'enfant. Mikono ya Elisha contact mutoto. Physique. Kupatana kwa mwili. Corps à corps. Mwili kwa mwili. Et il a bougé. Na alitenka. Élisée a bougé. Elisha alitenka. Et la Bible dit. La Bible nasema. Le corps de l'enfant se réchauffa. Mutoto ya mwili ya mutoto ikapata kivukutu. Le corps qui était déjà froid. Un corps mort. Mwili ya kufa. Un cadavre. Mayiti. Au contact physique. Mukupatana mwili. Avec le corps du prophète. Na mwili ya nabi. Mai, 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 mai. Le corps de l'enfant se réchauffa. Et quand le corps se réchauffait, Élisée est descendu. Il a fait quelques pas. Il a fait quelques pas. Et puis il est remonté sur l'enfant. Il est remonté sur l'enfant. Physiquement. Contact physique. Corps à corps. La puissance était dans son corps. Et c'est son corps qui entre en contact avec le corps de l'enfant. Quand il remonte pour la seconde fois, il bouge un peu. Il gesticule sur l'enfant. La Bible dit, l'enfant a éternué. Une fois. Madame Chup. Chup. Deuxième fois. Madame Pile. Chup. Chup. Pergame. Madame Pergame. Chup. Tiatir. Tiatir. Chup. Chup. Sard. Sard. Chup. Chup. Tu te retrouves? Oui. Philadelphie. Philadelphie. À la septième fois. L'enfant éternue. L'enfant se réveille. Et il se tient debout. Quand on est passé par Paul. Premier éternuement. Il en est passé. Deuxième éternuement. Quatrième. Cinquième. Sixième. À la septième fois. Parce que sept c'est l'achèvement. Quand nous recevons la main. Quand nous recevons la main, parce que la main se révèle au septième âge. Ainsi soit-il. Il se révèle au septième âge. C'est à ce moment-là que l'enfant qui était couché se tient debout. Et Élisée dit, Géasi, appelle-moi la femme. Appelle-moi la femme. Et Géasi veut prendre la femme. Il l'amène dans la chambre. Et Élisée lui dit, prends ton fils. Et j'aimerais croire que parce que nous avons été appelés dans l'âge de l'achèvement, tout ce qui était mort, tout ce qui pourrissait, tout ce qui n'avait plus de mouvement, le message que nous recevons à partir du prophète, prends ton enfant. Je me mets comme un garçon de course, un Géasi de William Branham, pour inviter Rehoboth Tabernacle, la femme Rehoboth approchée. Caribia. Tu as pleuré. Unalia. Tu te plains. Ce matin, asubuhi, prends ton enfant. Tu as beaucoup larmoyé. C'est assez.
Tu te beaucoup plais. C'est suffisant. Ce matin, prends ton travail. Tu as beaucoup pleuré. Tu te beaucoup plais. Tu as larmoyé partout. Je te dis, femme, toi remonte et suis le larme. Prends ton travail. Tu cherchais quoi? Tu parlais d'une maison. Ce matin, prends ta maison. Tu cherchais quoi? Seigneur, je cherchais une promotion. Tu as longtemps pleuré. Tu t'as beaucoup pleuré. Nous sommes à l'achèvement. Nous sommes à la main. Prends ta promotion. Amen. 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 Que tout ce qui était mort vive. Tout ce qui était mort vive. À cause de la présence de l'ange de l'éternel, je vous ramène à l'ange. Parce que ce message est attaché à l'ange. Amen. 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 Je ne vous vois pas déceptif. Je ne vous vois pas couché. Je vous vois debout. Lève-toi, fils. Toi, l'enfant qui couchait. Réveille-toi. Tiens-toi debout. Amen. Amen. Je demande à chaque bénédiction rédemptrice pour laquelle Christ est mort. Voici tes propriétaires. Non, il ne dit pas ça. Toi, bénédiction. Voici ton propriétaire. Tu es destiné à ces gens. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Vous bénédiction. Vous pour lequel Christ a souffert. Voici vos propriétaires. Voici ceux qui doivent jouir de vos bénédictions. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Que chacun de vous s'approprie ce qu'il avait demandé à Dieu. Ton enfant, j'ai une bonne nouvelle. À ce matin de la résurrection, ton enfant n'est plus mort. Ton travail n'est plus mort. Ton corps n'est plus mort. Lève-toi. Prends ton enfant. Amen. Alléluia. Amen. 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 Tout ce que vous avez vu pendant tout ce temps, c'était de s'éternuer. Ce matin, c'est l'achèvement. C'est l'achèvement. Si Dieu a placé des bénédictions sous mon ministère, si un pasteur est un canal de contact entre le déversement de bénédictions et les besoins du peuple, j'ouvre mon cœur pour que ton besoin rencontre satisfaction. Ça ne demande pas que je te touche. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Amen. 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 Tu es resté pendant beaucoup de jours. Tu ne réussissais plus à vendre. Ce matin, prends ta vente. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Amen.
de Dieu agissait au travers du corps d'Élisée. Que Dieu puisse vous aider. C'est pour cela que Branham dit, la vie se transmet d'un corps à un homme. Amen. Il incarnait dans son corps la puissance de Dieu. Et son corps était le canal de transmission. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu a toujours besoin d'un corps pour agir. Que Dieu puisse vous aider. Le même Dieu tout-puissant qui avait rencontré Paul sur la route de Damas, il ne l'a pas rempli du Saint-Esprit sur la route. Il fallait qu'un homme soit utilisé. Il fallait qu'un corps soit utilisé. Dieu utilisa le corps de Barnabas qui avait déjà la puissance d'en haut en lui. C'est celui-là qui a prié pour Paul afin qu'il reçoive le Saint-Esprit. Ne regardez pas à mon petit corps défiguré. Si la puissance de Dieu est dans ce corps, ce corps, ce mouvement, ces paroles, tout ce qu'il fait, c'est une voie de transmission de bénédiction de Dieu d'ici vers vous. Merci Seigneur. Amen. Maintenant, ça, vous êtes là. Vous pouvez parler. Ne me perdez pas. Je suis en train de vous dire quelque chose. Oh, ce que Dieu fait, ce que Dieu fait, est-ce que j'ai un croyant ce matin, ce que Dieu fait, durera toujours. Élisée a incarné cette puissance 80 ans. Un jour, Élisée tombe malade. Il tombe malade dans le corps. Et comme la maladie était forte sur lui, na vile makonjo ilikuwa nguvu sana juu yake, le roi d'Israël est allé à son chevet. Mufalme wa Israël alienda kukichwa yake. Mai, il s'est écrié exactement comme Elisha s'est écrié au départ de lui. Alalamika paka vile Elisha alalamika wakati alikuwa anaenda. Mon père, mon père. C'est Baba Yango, Baba Yango. Char d'Israël, sacrifié. Gari à Israël, mon pantalon farasi yake. Élisée a compris. Je suis dans des rois. Vous avez la Bible? Amen. Je suis dans des rois, chapitre 13. Élisée lui dit au verset 15. Élisée le moins bien. Des rois, chapitre 13, verset 15 maintenant. Après qu'il ait dit, mon père, char d'Israël. Kisha yeye kusema baba yangu, baba yangu. Papa, si je vous secoue trop, comprenez-moi, il n'y a pas de problème. C'est une manière de vous transmettre aussi. Merci. Alors, Élisée lui dit. Élisée la mwambia. Prends un arc. Beba upinde moja. Et de flèches. Na mamishale. Je ne sais pas s'il faut attention à ce qu'on dit. Prends un arc. Beba upinde moja et de flèches. Na mamishale. Et il prit un arc et de flèches. Na yari beba kapaka mishale mbili. Non, il prit un arc et de flèches. Akabeba upinde na mamishale. Puis Élisée dit au roi d'Israël. Na kisha Elisha kambia mfalme wa Israeli. Bond l'arc avec ta main. Funga funga upinde na mkono yako. Kufunga kuje. Afunge je. Non, ici bandé, ce n'est pas l'essence ya kufunga. Oui. C'est
tendre. Ok. Kokota, kokota upinde na mukono yako. Kokota. Donc même roi il devait connaître, utiliser l'arc. Où le mouvement passe à Kujua, la manière dont tu m'as opiné. Mes frères, suivez ce chose, c'est très intéressant. Amen. Bang l'arc avec ta main. Kokota opiné la mukono yako. Et quand il libande de sa main. Na wakati ali kokota na mukono yake. Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Elisha kaweka mikono yake yulu ya mikono ya mufalme. Le corps de malade. Mwili ya mtu mgonjwa. Papa, j'ai besoin de vous, n'allez pas loin. Le roi a bandé. Mufalme alikokota. Maintenant, Élisée, je ne sais pas s'il tremblait. Avec des mains tremblantes. Il regarde la main du roi, là, mais ce n'est pas la main gauche. Il met sa main. Il va là-bas, il met sa main. Étant malade. Mwenye kwa mugonjwa. Étant faible. Mwenye kwa muzaifu. Mais la puissance agissante était toujours là. Lakini uwezo ya kutenda ilikuwa mpaka mwile mwili. Asanasem, ouvre la fenêtre. Fungu na dirisha. Pas dans n'importe quelle direction. Angareta mungambo kani yote. Non. A pas mungambo yote. À l'Orient. Kule kumashariki. À l'Orient. Kule kumashariki. Ouvre la fenêtre à l'Orient. Fungula dirisha kwa mashariki. Et il l'ouvrit. Na kaifungula. Bena Elisegi. Asa Elisha nasema. Tire. Chaya. Trop bien. Apo na bisomo bien ça. Merci. Ndio kisweli ya mukibeta ile. Amen. Tire. Chaya. Eh? Na. Il tira. Na kachaye. Élisée qui? Élisée la Sema. C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Ni mushale ya ufungulivu ya kutoka kwa milele. Sous cette connexion là. Chini ya ile kuungana kule. Mapatano. Chaya. Et la flèche est partie. Na mushale kaenda. Il dit, anasema, c'est une flèche de délivrance de la part de qui? Ni mushale ya ufungulivu ya kutoka kwa milele. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Mushale ya ufungulivu ya kukombalisha wa Syria. Parce que quand Joas a vu Élisée agonisant là, il avait un problème. C'est toi qui nous as révélé le secret. C'est toi qui nous montrais les plans de l'ennemi. Tu te rappelles? C'est toi. Mais maintenant tu pars. Mon père, Baba yangu,
le prince comprenait. Ça, ça va barrer. Dans sa faiblesse là. Il dit bande là. Bande là. Kokota upinde. Cherche le flèche. Tafuta mishale. Il a amené le flèche. Akaleta mishale. Bande là. Kokota upinde. Ouvre la porte, la fenêtre de l'Orient. Fungula idirisha ya kumashariki. Ouvre. Fungula. Maintenant, tire. Sasa chaya. Avec cette connexion là. Na kule mapatano ya mwili. Il lui dit. Biblia inasema. Il lui dit. C'est une flèche de délivrance. Ni upinde ya ufungulifu. J'aime beaucoup ça. Rush. De la part. Ya kutoka de l'Éternel. Oh, une flèche de délivrance contre les Syriens. Lisons la dernière partie. Vous n'avez que ça, vous n'avez que ça. Allez, relisons. Tu battras les Syriens. Amen, amen. À Afek. Jusqu'à leur extermination. Amen, amen. Tu battras. Ou ta pique. Alléluia. Parce que cette flèche est allée. Cette flèche a une signification. C'est la flèche de délivrance de la part de l'Éternel. C'est une flèche de délivrance. Contre les Syriens, tu les battras. Même si moi je pars, tu les battras. Est-ce que tu es un peu courageux? Est-ce que tu peux diriger les batailles? Jusque leur extermination. Tinaku wakati utabamaniza. Tina wakati utabamaniza. Jusque à leur extermination. Tinaku wakati utabamaniza bote. On n'a pas fini. Atumanize. Élisée dit encore. Élisée a dit matena. Prends les flèches. Beba tena Michel. Combien? Gapi. Les flèches. Michel. Il le prit. Akai chukua. Élisée dit au roi d'Israël. Élisée a cambié en forme d'Israël. Ah, ça c'était une bonne école. Il quoi ni maçon muzuri. Ade. Beba bawiri. Frappe contre terre. Pika ou Pabulongo. Pa. Pika. Et il frappa trois fois et s'arrêta. Na kapika mala tatu na kaacha. L'ordre était frappe. Amuri yangu sema pika. Il frappe 1, 2, 3 et s'arrête. On n'a pas dit arrête. Alors regardez la suite. L'homme de Dieu s'irrita contre lui. Muntu wa Mungu akasirika juu yake, akamshirikia. Il fallait. Il y pas choix. Comment tu n'as pas été capable de lire la partie non écrite? La mlakani, comment tu ne la bandique la mlakani? Si c'était une Rebecca, comme Arwa ni Rebecca, elle irait au-delà de ce qu'elle avait entendu. Aripasha kwenda inje ya ile ya richunga, ile aripasha kusema. Amen. Je parle comme un aigle maintenant. La chose va taille, ça.
Rebecca a entendu. Rebecca alisikia. Donne-moi de l'eau. Unipe maji. Rebecca se lève. Rebecca alichimama. Elle lui donne de l'eau. Anampa maji. Elle traverse l'homme. Anatumuka maji. Elle va vers les bêtes. Anaenda kubanyama. Vive. Mukunywe. Vive. Mukunywe. Vive. Mukunywe. Vive. Mukunywe. Et elle y essaie dans son cœur. Mais il est dans les moyens wake. C'est ça. Joyi. C'est ça. Joyi. Mais c'est tout ce que j'ai gardé. Joyi quoi le chunga yote. Car Élisée a parlé à Joas. Wakati Élisée a parlé à Joas. Il avait une partie qu'il gardait sur son cœur. Quoi la kipanda quoi le chunga moyens wake. Il dit frappe pika. Je veux voir s'il va. Mita une kamata. Comment? Et le gars n'a saisi qu'une partie du mystère. Amen. Une fois. Madame, deux fois. Madame, il s'est dit. Il dit comment? Il fallait frapper cinq. Il passe au pire malatano. Malatita. Alors, tu aurais bâti les Syriens jusqu'à leur extermination. Voilà quand est-ce que tu amènes pas. Pour y passer, ça c'est pour faire la voiture et ne pas manier sa beauté. C'était un message codé. Il croit ni ujumbe ni kufichwa. Toi veuve, tu as pleurer pour la dette. Ouais, tu voulais payer la dette. Élisée lui a dit, prends des vases. Ouais, mouchane, on a dit, c'est un mandéni. Élisée lui a dit, c'est un mandéni. C'est tous tes voisins. Prends des vases. Combien? Bwingi ya mitungi ya chukuseme. Alors, j'espère qu'il n'y en aura pas qui vont m'énerver ce matin. Mina, tu m'aides, tu m'aides, tu m'aides, tu m'aides, tu m'aides. Je ne veux pas me fâcher contre certaines personnes, je crois. Et la femme a pris des vases. Rempli. Oui, jaze. Rempli. Jaza. Elle a commencé à remplir. Oui, jaza. Et quand elle a mis les derniers vases qu'elle avait pris, na wakati aliweka mutungi ya mwisho ile ya ribeba, lui il s'arrête. Na mafuta ikashimam. Autant de vases elle avait pris, autant de vases elle a rempli. C'est jusqu'à la limite de ta foi. Amen. Si ta foi n'a pas beaucoup de muscles pour frapper les Syriens, tu les frapperas un peu. Mais si ta foi a des muscles, suffisamment, dit comme j'ai reçu l'ordre de frapper, je frappe. Et Branham interprète cette écriture. Dans la flèche de délivrance de la part de Dieu tiré à l'aide d'un arc du 1er août 56 point 35, je vais descendre. Et ça, ce sont les effets de la continuité de la puissance de Dieu en Élisée. Il m'a toqué ou ya ouezu ya chéri ya ou ya ma yendeleo ya chopuisha dans ya Elisha. A ta vie d'alcool caribou na koufa. Branham dit, Branham na sema, Élie lui a dit, va prendre ton arc, mets des flèches, tout ça. Élie chari mon bien, c'est moins de bébé ou pinde ya koufa. Ouvre la fenêtre à l'Orient. Na fungu la dirige comme chariki. C'est de l'Orient que Jésus viendra. Ni kuma chariki njo Yesu atakuia. Quand il est descendu en Arizona, Tucson. Wakati alishuka kwa Arizona ku Tucson, il venait de l'Est. Alikuwa anatoka mashariki. Il est allé à l'Ouest. Na alienda kwa magharibi. Quand vous êtes assis dans cette église, vous avez les regards tournés vers l'Orient. Wakati mulekala mwika ni sabaje kuangalia kwa mashariki, parce que c'est là qu'il est assis. Na njo kule yasha kuikala. C'est lui qui regarde vers l'Occident. C'est vous qui êtes à l'Occident. Branham
Branham dit, il a dit, eh bien, observez. J'aimerais que tu places des flèches et que tu tires le plus loin possible. Allez, frappe. Et il a frappé la terre trois fois. Suivez. Le prophète s'est irrité contre lui. Il a dit, pourquoi ne l'as-tu pas frappé plus de fois que cela? Pourquoi n'as-tu pas fait quelque chose d'autre à ce sujet? Pourquoi n'as-tu pas frappé plusieurs fois? Tu n'auras que trois victoires. Il dit, la même chose s'est passée ce soir dans l'église chrétienne. Nous avons tiré la flèche de délivrance de Dieu. Il a dit que c'est ce que c'était. Dieu nous a envoyé la flèche de délivrance. La flèche de délivrance, c'est le Saint-Esprit qui a été envoyé, tiré à partir de l'arc de l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui libère cette flèche. C'est l'amour de Dieu. C'est vrai. Écoutez, lorsqu'une éternité a été tirée vers une autre éternité par la corde d'amour, Dieu a tiré la flèche de délivrance dans l'église les jours de la Pentecôte. Vous dites amen en baissant les voix. L'église a reçu entre ses mains la flèche de délivrance de Dieu. Le Saint-Esprit délivrera l'église de toute espèce de chaos où elle pourra sombrer. Rome ta katifu itafungula kanisa mumaina ya kuanguka kote kanisa inaweza kuanguka. Dans toute sorte de chaos mumaina ya kuanguka kote. La flèche de délivrance, c'est le Saint-Esprit envoyé à l'église le jour de la Pentecôte. Galate, ne soyez pas ensorcelés. Quand Joas pleurait, ne voyant pas que va être la suite, Élisée va mourir. Que va être la suite? Élisée l'a amené dans une expérience. Par tes mains. Tire. Sous ma connexion. Chini ya mapatano yangu. C'est tiré par l'arc d'amour. Ni kuchaya kupitia upinde ya mapendo. Regardez. Moneni. Dieu, pour montrer qu'il a agréé la foi d'Abraham. Mungu ndio kuonesha sasa Abraham avec Dieu depuis Genèse 12. Mais pour lui montrer que j'agrée ta foi, Dieu lui a donné la circoncision. Amen. Ce qui est le baptême du Saint-Esprit. Jésus savait que Judas n'était pas son enfant. Il ne l'a pas laissé entrer dans la chambre haute.
Si quelqu'un vous éloigne du baptême du Saint-Esprit, c'est un sorcier. Et c'est le baptême du Saint-Esprit qui est la flèche de délivrance de la part de l'Éternel. C'est l'expression de l'amour de Dieu. J'ai parlé, j'ai déchiré les poumons. J'ai explosé dans cette église. Je vous ai montré de plusieurs manières, à plusieurs reprises. Il n'y a pas moyen d'être chrétien sans cet esprit. Quelqu'un m'a posé la question au sujet de la citation que le pasteur Léon a lu ici mercredi. Là où Frère Branham dit, quelqu'un peut être baptisé du Saint-Esprit et être perdu. Le frère m'a dit, pasteur, je ne comprends pas. Je veux dire, le pasteur n'a lu qu'une partie de la citation. C'est parce qu'il n'a pas lu toute la citation. Frère Branham montre qu'il y a des gens qui reçoivent le Saint-Esprit dans leur esprit et non pas dans leur âme. Ce sont ceux qui reçoivent le Saint-Esprit dans leur esprit qui seront perdus, parce que c'est simplement l'émotion. Mais le baptême du Saint-Esprit dans l'âme de quelqu'un, tu ne seras jamais perdu. C'est seulement ça. Et quand on enseigne ici, on ne place pas bien les choses. Ça mène une confusion. Comme c'était une réunion de quelques minutes. Si quelqu'un vous éloigne du baptême du Saint-Esprit, anamiloka. Amen, amen. C'est la flèche de délivrance. Même quand le prophète ne sera plus là physiquement, il y a quelque chose pour battre les Syriens jusqu'à leur extermination. Et cette chose-là, c'est le baptême du Saint-Esprit. Écoutez, frère Branham, en dehors du ministère de Jésus-Christ, l'Église du Saint-Esprit, c'est le ministère de Jésus-Christ. Frère Branham, en tant que croyant, a fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Je suis allé physiquement, amen, amen, à l'endroit où frère Branham a fait cette expérience-là. Ça existe jusqu'aujourd'hui. C'est à côté des rails, à Jeffersonville. Branham a fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit comme croyant. Le ministère de Luc 17:30, c'est autre chose. J'ai circulé avec un ministère qui a eu le succès à 100%. Ce n'est pas mon ministère, c'est son ministère. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui devrait être réincarné, son ministère. Réincarné, parce que c'était déjà incarné. Dieu ramène. Ça ne fait pas de Branham Jésus-Christ. On a demandé à Branham, es-tu Jésus-Christ? Il a dit, dire, faire de moi la personne de Jésus-Christ. C'est Antichrist. Mais quant à la vie qui était en lui, le ministère qui était en lui, que cela est de nouveau à moi, c'est la pure vérité.
vous qui chantez, vous devez savoir vous chanter quoi. Pris par de petites émotions, vous commencez à dire n'importe quoi. Non. C'est le retour de la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Jésus aurait-il ton apparence? Il dit non. Moi, je ne peux pas être la personne. Amen, 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 amen. Amen. Moi, je suis votre frère sauvé. J'ai demandé à un prédicateur. Tu as imprimé un petit texte où il n'y a aucun titre du message, aucun paragraphe. Où il dit que c'est sur ce morceau de papier là, c'est écrit que la lumière sortait de la Bible. J'ai posé la question. Ceci est un témoignage ou c'est une citation? Et je vous informe que je n'ai pas de réponse jusque ce matin. Nous, on n'est pas des petits-enfants. Notre travail, c'est de lire ce message. Il y a des gens qui racontent n'importe quoi. Non, il se tenait ici, le carburant s'est rempli de... Montre-nous. La flèche de délivrance de la part de l'Éternel qui a été donnée aux croyants, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est ce qui sauvera l'Église dans toutes sortes de chaos. Toutes sortes de chaos. Un homme rempli du Saint-Esprit est un vent. Tu ne le maîtriseras pas. Et avec cette flèche, il faut frapper, refrapper, trifrapper, quadrifrapper, jusqu'à l'extermination. Il n'a pas à copier mal à ta tour, il est tiré au cas de ta manie sa beauté. J'avance. Il ne faut pas provoquer les gens. Il ne faut pas provoquer les gens. Il faut être gentil. Vraiment. Amen. Alors maintenant. Ça. Donc, avec le Saint-Esprit, toutes sortes de chaos, toutes sortes. Frère Benham dit, avec le Saint-Esprit, ça vous apprendra à adorer. Ça vous apprendra à aller à l'église. Ça vous apprendra à aimer Jésus. Ça vous apprendra à parler avec le voisin. Ça vous apprendra à aider quelqu'un en difficulté. Le Saint-Esprit, c'est beaucoup de choses. Et vous n'imitez pas trois coups. C'est le message dans son entièreté. Maintenant, papa, peut-être qu'ils ont déjà perdu le fil d'idée. J'ai montré la puissance de Dieu en Élisée. Élisée fort physiquement. Son corps a transmis la vie à un cadavre. Maintenant, Élisée malade. Ses mains ont transmis la force au roi pour bien tirer. Amen. Hein? Oui. Maintenant, ce que Dieu fait durera
toujours. Maintenant, Élisée mort. Ça, c'est Elisha Nakufa. Élisée cadavre. Elisha Maïti. On amène Élisée à la tombe. On appelle Elisha Mukaburi. On met Élisée dans la tombe. On appelle Elisha Mukaburi. Une année après, moi Kisha, on amène un corps pour l'enterrement. On voit les Moabites surgir. Les gens partent. Ils se mettent à courir. Ils jettent le cercueil. Ils jettent le corps. Et le corps va tomber sur les eaux d'Élisée. Parce que ce que Dieu fait durera toujours. La même puissance qui agissait dans un corps de mou, qui a agi dans le corps malade, la même puissance a agi sur les os d'Élisée. Et le mort est ressuscité. Ce que Dieu fait, Dieu durera toujours. Dis-le à ton voisin. Ce que Dieu fait, durera toujours. Ce que Dieu fait, durera toujours. Ce que Dieu fait, durera toujours. Si Dieu a commencé quelque chose en toi, rien n'arrêtera cela. Ça durera toujours. Si Dieu te bénit, laisse-moi parler ouvertement. Qu'il y ait des vagues, qu'il y ait des tempêtes. Parce que c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Elle durera toujours. Je voulais encourager quelqu'un ce matin. Essuie les larmes. Ne dis pas que tu as fait de pertes. Ce que Dieu fait durera toujours. Tu es obligé de reprendre. Tu es obligé de reprendre. Je répète. Tu es obligé. Olinga, olinga te. Parce que c'était la bénédiction de Dieu. Ce que Dieu fait durera toujours. Même si les sorciers de ton village ne sont pas contents, ne sont pas d'accord, mais ce que Dieu fait durera toujours. On va prendre ta bénédiction, on va cacher dans une caverne, mais parce qu'elle venait de Dieu, elle est obligée de revenir à la surface. Et elle connaît son propriétaire. Cela était destiné à toi. Ça ne te reviendra qu'à toi. Tu mourras avec. Tu la laisseras. Elle continuera sur tes enfants, sur les enfants de tes enfants, sur tes petits-enfants, jusqu'à 1000 générations. Ce que Dieu fait durera toujours. C'est pourquoi je lis le texte de David. Dis à ce frère-là. Dis à ce frère-là de venir. Je sens mon cœur te dire ça. Reviens. Que tu sois témoin. Que Dieu t'accorde une grâce. Où tu vas voir que la bénédiction qui t'était destinée est obligée de revenir. Elle n'ira pas chez quelqu'un d'autre. C'est pour toi. Et c'est pour toi. Merci Seigneur. Amen. C'est pourquoi j'ai lu le texte de David. Dieu regarde David. Dieu avait sa une tente où on avait déposé l'arche. Et David
David dans une maison de cèdre. Et David se dit, ce n'est pas possible. Moi, dans une maison de cèdre. Le Dieu Tout-Puissant dans une tente. Je ne sais pas si le peuple ici peut se réveiller. Le Dieu qui était sous la tente, c'est l'ange. Comment les gens ne peuvent pas comprendre que quand vous avez l'âge, vous avez Dieu. Au commencement était la parole. La parole est avec Dieu. J'aime la parole. Amen, amen. Maintenant, est-ce que vous êtes là, Église? Rien que cette bonne pensée. Rien que cette bonne pensée. De faire quelque chose pour Dieu. Dieu envoie le prophète Nathan. Il dit, va dire à David. Alors c'est moi de m'envier Daoudi. J'ai évolué tous ces temps. De tente en tente. Dans un tabernacle de peau de bête. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de me faire une maison. Ancêtre. Lui, il pense à moi. Parce que David pense à moi. Moi, je lui créerai une maison. Lui, il a pensé me bâtir une maison. Au contraire, moi, l'Éternel, je lui créerai une maison. Est-ce que vous saisissez ces choses? Amen, amen. Je lui créerai une maison. Mais parce que tout ce que Dieu fait, dire à tous. Quand Dieu lui dit, je vais lui créer une maison. David s'écrit. Qui suis-je? Pour que l'Éternel me crée une maison. Si j'ai un croyant ce matin, William Branham dit, David était le type d'un véritable croyant. Je ne suis pas en train de parler de David, je parle de toi. Rien qu'une bonne pensée, pensant à Dieu, faire quelque chose pour Dieu, Dieu dit, je lui créerai une maison. Non seulement cela, son trône et sa maison, la maison que je vais lui créer, seront toujours assurés. C'est ça le texte que j'ai lu. Sa maison et son trône seront toujours, toujours assurés. Je parle de toi. Tu peux te le dire toi-même. Ma maison et mon trône seront toujours assurés. Mon frère bien-aimé, essuie les larmes. Ne regarde pas à la vallée que tu as traversée. Ne regarde pas aux secousses. Ce sont des transitaires. Ce sont des choses passagères. Mais la maison que l'Éternel te crée et ta royauté ou ton trône seront toujours assuré. Je veux dire à quelqu'un ce matin, même dans le vieillage, tu prospères parce que ta maison et ton trône sont toujours assurés. Dieu a béni David. Dieu a stabilisé David. David est mort. Dieu relève Salomon. Cette bénédiction ne pouvait pas aller ailleurs. Il fallait le fruit de ses entrailles. Salomon a grandi. C'était le millénium d'Israël. Le millénium d'Israël. Salomon a péché. Salomon était dans Zambie. Salomon a péché. Salomon a été dans Zambie.
Dieu avait déjà dit à David. Lakini Mungu alikuwa ashakwambia Daudi, ta maison, nyumba yako, et ton trône, na kiti yako, seront toujours, wakati yote, assurés. Itakuwa ya kuhakikishiwa. Assurés. Yenye kuhakikishiwa. Assurés. Yenye kuhakikishiwa. Ce n'est pas à la sonasse. Ana kusonasa. Assurés par les cieux. Yenye kuhakikishiwa na mbingu. Assurés par le grand roi. Yenye kuhakikishiwa na mfalme. Assurés par le patron de l'univers. Bosi wa ulimwengu. Assurés. Yenye kuhakikishiwa. Laisse-moi te dire. Unyacha nikuambie. Assurés. Yenye kuhakikishiwa. Assurés. Pendant que les gens pleurent, regarde au ciel. Assurés. Laisse-moi te dire. Même l'entrée au ciel. Assurés. Même ta maison. Assurés. Même ton règne. Assurés. Maintenant, sasa, Salomon pêche. Salomon attend Zambi. Dieu envoie son prophète. Mungu anatuma nabii wake. Il parle à Jéroboam. Anasema na Jéroboam. Suivez, je termine déjà. Amen. Parce que Salomon a péché. Juu Salomon alitenda zambi. J'ai ravi 10 tribus. Mina nyanganya makabila 10. Et sur toutes les 10 tribus que Dieu ravi. Na yule ya makabila yote 10 Mungu ananyanganya. Il n'y a aucune tribu dans laquelle Dieu avait choisi de placer son nom. Hakuna kabila hata moja mule Mungu alichukua jua kuweka jina lake. La seule tribu, kabila moja tu, où il avait choisi de placer son nom, c'était la tribu de Juda. Et c'est dans Juda qu'il y avait le temple. C'est dans Juda qu'il y avait Jérusalem. C'est dans Juda que résidait le nom. Il dit, à cause de David. David ne peut pas manquer une lampe. Quel que soit l'état, quel que soit la période, mon serviteur David aura toujours une lampe allumée. Mon frère, ma soeur, personne ne pourra t'éteindre, kukuzimisha, apana, hakuna, kukuzimisha, apana. Jamais. Tu auras toujours une lampe qui sera allumée quelque part. C'est pourquoi, même dans ces temps de conjoncture difficile, vous, peuple de Rehoboth, ayez toujours une lampe allumée quelque part. Ne manquez pas de nourriture. Ne manquez pas de vêtements. Ne manquez pas de quelque chose. Parce que vous êtes des croyants. Parce que vous êtes des croyants. Amen, amen, amen. Je me sens bien. Amen. Ça console mon cœur. Quelle que soit la période. Même quand je peux tomber dans une erreur. Je reste mon père. Je reste mon père. Je reste ton père. Je reste ton père. Il sait que tu ne voulais pas faire cette chose. Il sait que ton cœur l'aime. Il sait que ce sont des faiblesses du corps. Il sait que ton âme l'aime. Si ton cœur l'aime, si ton âme l'aime, quelle que soit la période, tu auras toujours une lampe allumée. Une lampe allumée. David ne pouvait pas manquer de lampe. Je voudrais continuer. Vous pouvez continuer en esprit jusque dans le millénium. Le trône du millénium, c'est le trône de David. Jésus s'assoit sur le trône de David. Parce que ce que Dieu fait, tu verras toujours. Même quand Jéroboam s'est levé pour combattre Juda, le roi de Juda lui a dit, ne me combats pas. Tu n'auras jamais de succès. Est-ce que tu peux regarder Satan? Tu n'auras jamais de succès. Tu n'auras jamais de succès. Même
quand je suis tombé dans une voie, tu n'auras jamais de soucis. Pourquoi? Ce que Dieu fait, tu verras toujours. Au nom de la résurrection de Christ, amen, amen. Soyez ressuscités spirituellement, matériellement, physiquement, financièrement. Je prie Dieu qu'il rende témoignage que celui qui a suscité Rehoboth, ce ne sont pas mes calculs, ce ne sont pas mes stratégies. Que Dieu prenne les bénédictions du ciel et remplisse vos maisons. Ce que Dieu fait, soyez bénis. Ce que Dieu fait. Amen. 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 Mettons-nous debout. Tous les mamans. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Il en sera tel qu'il a dit. Va obéir, lève les yeux et dis, oui, je crois en Dieu. Est-ce que tu le crois? Est-ce qu'on a mini? Tu vas frapper les Syriens. Ou tapiga wazuria. Jusqu'à leur extermination. Pina kubamaniza bote. Dieu peut le faire encore et encore et encore. C'est vrai, il est le même Dieu, même Dieu qu'il a toujours été. Oui, oui, hier et aujourd'hui. Aujourd'hui. Demeure le même. Il n'y a point à douter. À douter. Dieu peut le faire encore. Et encore. Et encore. Encore. Et encore. Et encore. C'est vrai. Il est le qu'il a toujours été, été hier, hier et aujourd'hui, aujourd'hui. Il demeure le même, le même. Il n'y a point à douter, à douter. Dieu peut le faire encore. Parlons au Seigneur. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Seigneur,
tête. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Amen. Alléluia. Hosanna. Hosanna. Alléluia. Seigneur Jésus, ce que tu fais durera toujours. Tu viens d'annoncer une série de bénédictions sur nous. Nous les acceptons. Moi et ce peuple, nous nous identifions à la parole que nous venons d'entendre. Notre maison, notre trône, toujours assuré. Seigneur Jésus, ouais, la foi de tout un chacun. Amen, amen. Même les petits enfants, amen, amen, qui se sont retrouvés dans cette réunion. Qu'ils soient bénéficiaires des paroles du Saint-Esprit en ce jour. Ressuscite ceux qui mouraient. Amen, amen. Que ce soit dans l'âme, que ce soit dans le corps, pour que quelqu'un témoigne, c'est Dieu qui me parlait. Retémoignage à ta parole. Défie le temps, défie les circonstances, marche la marche de triomphe. Tu es le roi des rois. Tu es le Dieu de l'univers. Tu es l'unique et véritable Dieu. Tu es incomparable. Tu es le boss. Quand tu dis quelque chose, nul ne peut l'anéantir. Exerce ton autorité, cette puissance à grandeur illimitée. Que les bénédictions accompagnent ta parole dans les vies de tes enfants. Seigneur, même celui qui voyait les enfants de sa maison s'écarter du bon chemin, je les réclame au nom de Jésus-Christ. Accorde le Seigneur. Merci pour l'assurance. Merci Jésus. Reçois la gloire et la grandeur dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, merci. Oh, je vous aime, Rehoboth. Le Seigneur bénisse chacun de vous. Je vais juste bénir ce mariage. Et je vais vous libérer. Je voudrais demander à mon frère Patient et à la sœur Marthe de se tenir debout. Nous allons les applaudir.